Cécile de Ménibus, rebonsoir. T'étais où de la semaine? Parce que, ça y est, le jeudi 27 avril dernier, le site Planète FR a publié sur vous l'article que toutes les stars redoutent. Que devient Cécile de Ménibus? Ouais. Ceci étant, que devient-elle? C'est mieux que qu'est-elle devenue? Ouais. Ce que devient-elle? Il y a encore une lueur d'espoir. Une envie, peut-être. Une envie, alors que qu'est-elle devenue? Là, c'est Peter et Sloan. On s'en fout, là. C'est fou. Vous avez connu un gros succès de 2003 à 2008 sur TF1 avec la méthode Coé. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous êtes devenue célèbre du jour au lendemain. Et ça continue à vous poser des problèmes aujourd'hui. Vous dites que depuis, vous sortez toujours maquillée, que vous n'allez plus à la plage, que vous n'allez même pas à la fête foraine avec votre nièce. Non. J'espère que tout le monde comprend. Eh oui. Vous dites que c'est une prison dorée. Non, mais j'ai été beaucoup, beaucoup paparadier pour rien. Et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où je ne vais pas. Il est là, l'enculé. Et c'est que le prénom. Et il y a plein d'endroits dans lesquels je ne vais plus parce que je n'ai pas envie qu'on me prenne en photo et que j'ai envie d'être ouais. tranquille. Et que voilà, oui, ouais. c'est une prison dorée, oui. La méthode Coé s'est arrêtée. Bruce, je sais que vous avez beaucoup souffert aussi de cette nouvelle. En 2008, le drame. Alors, Cécile, le jour où vous apprenez la nouvelle, quand arrive l'heure du déjeuner, toute l'équipe part au restaurant, vous restez seule. À leur retour, ils sont ivres et en larmes. Coé est prostré dans son bureau. Et vous, vous devez faire face à la tristesse des 40 membres de l'équipe de la méthode Coé. Certains sont à genoux devant vous et vous attrapent les jambes. Oui, j'en ai deux. C'est spectaculaire. C'est vrai qu'ils rentrent, ils sont ivres morts. Et on vient de leur annoncer la fin de l'émission. Et les gens pleurent. Et c'est vrai que j'avais jamais connu ça. Surtout que ça reste de la télévision. Et je pensais pas que ça n'irait jusque-là. Je pensais que, les gens pensaient que derrière, il ne se passerait plus rien. Qu'ils avaient perdu une famille. Et c'était 7 ans, 24 heures sur 24. Donc forcément, pourquoi ils pleuraient pas quand ils regardaient l'émission? Enfin, c'est très difficile de rebondir. Parce que vous êtes marqué, évidemment, par la méthode Coé. Donc c'est un peu compliqué. Là, vous faites une émission sur TF6, toujours avec Coé d'ailleurs. TF6. Et c'est là que Rocco Siffredi tente de vous violer. Ouais. Enfin. On va regarder, on va en parler après. Ouais. Francis, Cécile, oui, un mot? Non, ça va. Non, Cécile a besoin de temps pour se rendre. Je pense que Cécile, les deux jours, c'est le psy. Recomposition. Hein. Et encore, c'était que la péricube que t'as eu. Hein. T'as, pas eu t'as pas eu l'entrée plat dessert. Hein. Enfin, j'ai rien senti. Hein. Mais t'as eu que la péricube. Oh, arrête, Cécile. Oh, putain. Écoutez, ça n'est pas une barbe à papa que vous avez gagné la fête foraine, monsieur Rocco. Monsieur Rocco, s'il vous plaît. Vous dites ce mec est une sous-merde en parlant de Rocco Siffredi. Ouais, parce que là on est dans le cadre d'une émission, que c'est compliqué, que voilà, c'est difficile d'avoir une posture dans une émission de divertissement. J'aurais aimé lui mettre une claque à l'époque, mais j'ai pas osé pour plein de raisons. Et aujourd'hui je le ferai, je pense. C'est une émission directe? Ouais, c'est une émission directe. C'est une émission, en fait, c'est une émission de radio filmée. Ouais. D'accord, donc c'est en direct. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un souvenir, c'est à regarder, c'est extrêmement pénible parce qu'on essaye de faire face et qu'on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les loges après? Dans les loges, il m'a attrapé, il m'a soulevé de terre, il m'a enfoncé sa langue dans la gorge et il fait 1m90 et je ne peux rien faire. Voilà. Bruce? Non, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire avec ce tennisman là, à Roland Garros qui a voulu attraper cette journaliste. Et c'est vrai que ça a fait scandale tout de suite. Ouais. Là, à l'époque, Cécile n'a pas eu les mêmes soutiens que. Ah non. Non, et puis à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de solidarité qui se met en marche. Et puis on est là, ça fait rire tout le monde. Et je me sens souvent seule dans des situations comme ça. Et je suis la seule fille de l'équipe. Et pour ne pas passer ni pour une mégère, ni pour une emmerdeuse, et ben on se laisse emporter par l'humour en disant OK, on est sur le cadre de l'humour. Mais c'est vrai que des années après, c'est extrêmement choquant. Est-ce que vous pensez que, par exemple, ce qui vient d'arriver à Cyril Hanouna,
Est-ce que vous pensez que si ça avait été à la radio, finalement, ça serait très bien passé? Et c'est parce que c'est à la télé que ça a provoqué un tel scandale. Je pense que ça démultiplie. D'abord, je pense que le direct engendre beaucoup de conneries. Ça, c'est sûr, parce qu'on est dans une espèce d'impulsion et voilà, on avance et on ne se rend pas bien compte. Et je pense qu'effectivement, il y a des gags qui sont radiophoniques et d'autres qui sont télévisuels. Alors, votre famille, évidemment, est loin de Minibus. Ils n'ont pas du tout apprécié toutes ces histoires. Non. Peu, assez peu, non. Ouais. Non, c'est vrai qu'on nous, on parlait plus de nous dans les colonnes du Figaro ou du Times que, ouais, que à la télé ou dans les magazines People. Mais le truc, c'est que c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, quand on commence à faire de la télévision, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Ouais. Et c'est vrai que le succès de la méthode Coé était assez fulgurant. Ah oui. Coé est monté très, très vite. Et en fait, on n'a pas le temps de nous prévenir, de nous expliquer comment ça fonctionne et ce que ça peut générer derrière. On démarre une carrière sans réseaux sociaux, sans rien, et des années après, on se rend compte que finalement tout existe quelque part et que tout ressort d'une manière ou d'une autre et que tout est exploité, toujours d'une mauvaise manière, mais c'est ça. Alors, sur les conseils de Véronique Genest, vous étiez en train de manger une tranche de jambon, toutes les deux, vous vous lancez alors dans la comédie et vous jouez le bouffon du président avec Franck de la Personne. Encore une casserole. Voilà, ouais. Décidément. Non, mais c'est pas une casserole, mais... Ah mais si, ça, c'est une casserole, ouais. Voilà. C'est une très grosse casserole. Il s'est engagé pour Marine Le Pen, c'est son droit. Mais surtout, vous dites, c'est la pire rencontre de ma vie. Oui. Il m'a fait vivre un enfer, ce mec. En fait, il a fait vivre un enfer à tout le monde, dans ses propos, dans sa façon de gérer les gens, dans l'humiliation constante et continuelle. Pas avec moi, parce que moi, j'ai du caractère et qu'il n'a pas suffisamment de tempérament pour s'attaquer à des gens qui ont du caractère. Il a monté les gens les uns contre les autres. Il a eu des propos au décès de ma sœur qui étaient juste insupportables. Oui, oui, oui. Alors, tous les soirs dans la pièce, vous annonciez, ça faisait partie du spectacle, que votre sœur se suicidait, mais c'était la pièce. Ouais. Sauf qu'un jour, votre sœur se suicide vraiment, en 2015. Là, il vous reproche de pleurer au moment des applaudissements, alors que quand même, bon, quand on vient de perdre sa sœur... Je venais de la prendre une heure avant. Il vous dit non, t'as pas à pleurer, ça se fait pas, etc. Et puis surtout, quand vous prenez l'abbé de la Morandée pour s'occuper de l'enterrement de votre sœur, il vous dit, tu prends l'abbé de la Morandée pour avoir de la presse. Enfin, c'est quand même... petit esprit, quand même. Hein. C'est ce qu'on appelle un sale type nourri de méchanceté, d'aigreur de la vie et qui ne passe son temps qu'à envoyer du négatif. Et il est aujourd'hui, et je ne suis pas forcément pas surprise de ce qui se passe dans sa carrière aujourd'hui, mais qui se nourrit du malheur des autres et qui ne renvoie rien de positif. Un peu comme le Front National. Absolument, exactement. Alors voilà, mais heureusement quand même... Il y a des choses positives dans ma vie. Ben la preuve. Aujourd'hui, donc, vous préparez à monter sur scène avec Claire Jazz dans Molière, si tu nous regardes. Titre retrouvé bien évidemment par Michel Drucker. Michel, si tu nous regardes. Le 13 juin à la Comédie de Paris. Alors le pitch, ça c'est drôle. Cécile de Ménibus, animatrice télé sur le déclin, décide de se lancer dans un one-woman show pour redevenir tête d'affiche. Et elle propose à l'humoriste Claire Jazz, donc, de lui concocter un spectacle sur mesure. Voilà, ça, c'est absolument. Bien. Et donc, je vais l'appeler pour lui proposer de m'écrire un spectacle. Au début, elle va refuser parce que je ne suis qu'une animatrice télé. Et lorsque je vais lui proposer un énorme chèque, elle va me trouver pleine de talents et beaucoup de dons. Et elle va décider d'arriver chez moi pour m'expliquer ce que c'est que le théâtre. Moi, je vais lui parler de la télé pour qu'elle m'écrive un spectacle. Et la particularité, c'est qu'interviennent dans leur vrai rôle des vrais gens de la télé. Ah oui, de nombreuses personnalités participent de manière interactive à travers des écrans géants implantés dans le décor. Et Stéphane Bern, Michel Drucker, Laurence Boccolini, Jean-Marc Généreux et moi. Et vous. Donc voilà. Un jour, je vais voir un match de foot. Au PSG. Voilà. Je vais voir les matchs de foot aussi, moins souvent que vous, mon cher ami. Et donc, Cécile me dit, Thierry, est-ce que ça te plairait? Elle me raconte le truc. Bon, je dis oui, ça me fait marrer, donc on l'a fait, et voilà. Et donc je serai sur scène tous les soirs. On regarde. Molière, si tu nous regardes. Je vous présente Cécile de Ménibus, qui est donc venue en vélo. Ménibus. Je vous présente Claire Jazz, qui est ma plus belle rencontre depuis 10 minutes. Le thème du spectacle, c'est Cécile de Ménibus qui est à la traîne. Elle est sur le déclin et elle veut faire comme ses pères, du one-woman show. Et donc, elle décide d'engager un nègre. Ah, c'est moi.
Et tout le milieu nous lâche, et là, c'est la descente aux enfers d'une comédienne et d'une animatrice télé qui essayent de tout faire pour que ça se passe bien, et ça se passe pas très bien. Voilà. Mais ça reste avec beaucoup d'humour, de légèreté, d'autodérision. Et de tempérament différent, de physique différent, de manière de parler différente. Pourquoi quand je ris, je pleure? Tu peux répondre à cette question, toi? Parce que ça doit certainement, en riant, te tirer un poil de la qui te fait pleurer. Voilà. Alors, parallèlement à cette pièce que nous irons voir à la Comédie de Paris à partir du 13 juin, vous avez appris vos études? Absolument. Vous faites un master à Sciences Po de communication politique et numérique. Mmh, absolument. J'avais pas mon bac et j'avais une grande sœur qui a fait concours d'entrée de Sciences Po Elena et je me suis dit, bon ben voilà. Et pendant des années et des années, je me suis dit un jour je reprendrai mes études. Et en fait, c'est eux qui sont venus me chercher en me disant, voilà, votre profil nous intéresse parce que vous avez un parcours extrêmement atypique. Et comme je suis spécialisée en réseaux sociaux, ça, voilà, ça permettait de faire un échange d'expérience avec des c'est gens. C'est super. Ah non, c'est canon. Le problème, c'est qu'après Coé, pour changer d'image, il faudra faire au moins Polytechnique plus l'ENA. Mais c'est pas grave, j'ai encore du temps.